Merci beaucoup. Je voulais remercier bien sûr Antoine Compagnon du très grand honneur qu'il me fait de parler dans ces murs et au milieu d'orateurs aussi prestigieux. D'autant plus que mon propos paraîtra peut-être à certains doublement exotique, tant par l'ère culturelle, l'Union soviétique, donc, que par le médium examiné. Le cinéma soviétique de la guerre a marqué les esprits en Occident en raison de la violence des images des atrocités nazies, au point que les Américains, qui récompensèrent d'un Oscar le long documentaire consacré à la défaite des troupes allemandes devant Moscou, film de 1942, modifièrent le montage dans un sens aseptisant pour sa sortie sur les écrans. De leur côté, les premiers spectateurs occidentaux qui découvrirent le film soviétique présenté à Nuremberg en 1945 furent également marqués par la brutalité des images, au point d'évoquer plusieurs décennies plus tard le choc produit par l'exposition frontale au gros plan sur les victimes, enfants soumis aux expérimentations médicales à Majdanek ou Auschwitz, ou aux cadavres de suppliciés. Les spectateurs soviétiques des actualités filmées, il faut le dire, n'étaient pas davantage épargnés durant le conflit, le journal filmé montrant fréquemment des images des atrocités. Quant aux bandes consacrées au procès contre les criminels nazis et leurs collaborateurs, à partir de celui de Krasnodar en 1943, ils associaient généralement ces images difficilement soutenables, filmées frontalement et avec un soin du détail permettant l'identification, à des plans de cérémonies de pendaison en place publique. De même, dans les fictions de guerre de production soviétique, plusieurs chercheurs ont relevé la brutalisation subie notamment par les personnages féminins. On note en effet une disparition de la féminité traditionnelle au profit de personnages incarnant la dureté implacable, dans « Elle défend sa patrie » par exemple, film de 1943. Les attributs classiques semblent n'être associés qu'aux personnages de collaboratrices, souvent amantes d'officiers nazis. La patriote soviétique est, à l'opposé, partisane, sniper, officier de l'armée rouge, aviatrice ou jeune komsomol torturé. La photographie de Zoé Kosmodymyrskaya fit le tour du monde. Ces femmes portent un uniforme très strict, masquant le corps. Les formes sont masculinisées quand elles ne sont pas en haillons, vaquant au quotidien d'un camp de partisans dans la forêt, ou en bleu de travail, ouvrières de choc, remplaçant les hommes dans les usines de l'arrière. Le discours qui accompagne ces images est celui de l'exigence de justice, de la réparation, si ce n'est de la vengeance directe, brutale, signifiée par des gros plans d'hommes tendant leurs fusils à baïonnette face caméra. Dans un court-métrage, une vieille femme, s'apercevant que le jeune Allemand de souche, dont elle a été autrefois la nourrice, a trahi sa patrie soviétique pour rejoindre les rangs de l'armée ennemie, hurle de rage et de honte à l'idée de ne pas l'avoir étouffé lorsqu'il était bébé. Le personnage semble préfigurer les appels au meurtre d'Ehrenburg, qui par exemple dans une allocution lors d'un meeting antifasciste de 1944 s'exprimait ainsi « Venge-toi, sans relâche et sans merci, ajuste une baïonnette à ton fusil, prends place sur un char, sur un avion, charge ta mitraillette et tue l'Allemand, tue-le vite avant qu'il ne t'ait tué. » Jusqu'au rabbin de Moscou qui lors du même meeting s'exprimait ainsi Dieu de vengeance apparaît pour nous venger sans limite. Que les os de l'ennemi soient broyés, que sa mémoire soit effacée. Il semble donc a priori difficile d'illustrer le sujet que je me suis fixé et d'essayer de prouver la thèse inverse, à savoir celle d'une Union soviétique se présentant comme porteuse des valeurs de la paix. Mais pour peu qu'on prête attention au discours qui accompagne ces images et ces paroles, à la rhétorique qu'elles illustrent, au contexte politique plus précis dans lequel elles sont produites, notre interprétation risque d'évoluer. Tout d'abord, même si j'ai choisi à dessein de citer des films, ici, du début comme de la fin du conflit, le sens véhiculé est loin d'être identique d'un bout à l'autre de la guerre. On constate en réalité une rupture sensible à partir du début de 1942 et qui va s'accentuant. Le visage ostensiblement agressif du régime devient moins présent, la rhétorique belliciste s'atténue. Alors que l'heure est, dans les premiers mois de la guerre, à la célébration de l'héroïsme militaire qui vise à masquer l'ampleur de la déroute de l'armée rouge et à battre en brèche le mythe de l'invincibilité de l'armée allemande, on note une prise de conscience par les responsables politiques et militaires du potentiel mobilisateur des récits et des images
dévoilant la barbarie de l'adversaire. Alors que ces informations étaient au départ verrouillées, elles vont peu à peu être révélées, certes bien encadrées dans un discours qui insiste sur l'illégalité de l'agression. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment, la folie raciste et meurtrière du Troisième Reich est dénoncée et traitée en soi. Dès le 24 septembre 1941, la déclaration du gouvernement soviétique à propos de l'adhésion de l'URSS à la Charte de l'Atlantique affirme, je cite, je résume le propos, que les brigands hitlériens armés jusqu'aux dents anéantissent villes et villages, dévastent les terres, exterminent les populations pacifiques par centaines de milliers de personnes. Ce propos sera repris par Staline. Mais c'est surtout à partir des notes officielles de Molotov, du 25 novembre 1941 et du 6 janvier 1942, insistant sur le caractère délibéré, encouragé en haut lieu des violences contre les civils, que la propagande se réoriente. Il s'agit de montrer que l'agression allemande est un crime contre la paix, ce qui s'accompagne de l'évacuation de toute mention de la guerre d'hiver contre la Finlande et du partage de la Pologne en 1939 résultant du pacte Molotov-Ribbentrop. Le discours opposera dès lors la rage de destruction aux efforts de construction, de modernisation et d'embellissement du haut soviet, aux valeurs d'humanisme et aux arts dont l'Union soviétique serait le plus fidèle soutien. Revenons à présent aux images pour examiner la façon dont le cinéma soviétique fut impliqué dans la construction de ce discours. Pour cela, j'envisagerai successivement trois aspects, la construction par contraste entre images de mort, feu et sang et images de paix, puis j'examinerai les principaux motifs associés à la paix et le répertoire iconographique, somme toute assez banal, qui lui est associé. Enfin, je m'arrêterai sur la vision du temps historique qui ressort de ces films et qui, pour l'Union soviétique, n'est pas banale. Alors tout d'abord, le contraste accentué. Je prendrai ici, pour exemple, les œuvres de Dovzhenko de la guerre, le film « La bataille pour notre Ukraine soviétique » de 1943 et « La victoire en Ukraine » de 1945. Il s'agit d'œuvres d'auteur, de films d'auteur à part entière, bien que le matériel visuel soit celui filmé par les opérateurs du front qui alimente, dans des montages différents et généralement beaucoup plus courts, les actualités filmées du journal bi-hebdomadaire. La construction du propos et la tonalité du commentaire entièrement écrit par Dovzhenko sont tout à fait personnelles. Loin du propos général et anonyme reprenant les déclarations officielles que l'on trouve dans les actualités, le réalisateur offre une réflexion qui implique directement l'auteur, le spectateur à qui il s'adresse et les témoins auxquels il donne la parole. Surtout, Dovzhenko introduit dans son montage des images du temps de paix, dans un long préambule accompagné par un commentaire prononcé sur un ton emphatique, dont la prose rythmée au souffle épique est rédigée dans un style noble, presque poétique, évitant au maximum les poncifs du journalisme politique soviétique. C'est un hymne à la beauté et à la richesse de l'Ukraine dont les fruits ont été patiemment cultivés au cours de la décennie qui vient de s'achever. Cette description en images, surtout lorsqu'on la visionne aujourd'hui, ne manque pas de piquant quand on sait ce que les années 30 ont signifié pour l'Ukraine. Famine assimilée aujourd'hui par certains à un génocide ayant entraîné la mort de plusieurs millions de personnes, violence de la découlakisation, perte de bétail par millions de têtes, industrialisation forcée et conditions de vie terrifiantes des mineurs du Donbass, purges à répétition n'ayant épargné aucun segment de l'élite ukrainienne soupçonnée de nationalisme, enfin, effet de la Grande Terreur. Certes, par comparaison avec le régime que font régner les autorités allemandes d'occupation, cette période peut paraître, dans une vision rétrospective, synonyme de prospérité et de bonheur. Dans ce préambule, Dovzhenko montre les villes, l'industrie, l'agriculture. La caméra s'attarde sur les femmes en blouse brodée, vaquant au travant des champs, les récoltes abondantes et accumule les images d'enfants insouciants.
распевание прекрасной песни и название «Люди, цветущие солнечные Украины». Je ne traduis pas car le sens enfin, du commentaire ici n'importe peu. Ces séquences contrastent évidemment avec le choix des images qui illustrent la guerre et les conséquences de l'occupation par les Allemands. Village en feu, bâtiments effondrés montrant la ruine et la désolation, gros plans d'enfants morts, images de l'ouverture des fosses qui insistent sur la dimension humaine de la tragédie et sont associées à des témoignages filmés avec son direct qui tous disent la douleur des survivants. La guerre est synonyme de massacre, de deuil et de dévastation. L'interpellation du spectateur dans le commentaire, associée à la personnalisation des victimes par des gros plans, accompagnée des noms et des circonstances précises de la mise à mort, permet une identification du spectateur avec les parents éplorés. C'est pratiquement comme si on se penchait avec ses mères sur les cercueils de bois. Pourtant, la paix n'est pas uniquement renvoyée dans un autrefois idyllique. Le film se situe d'emblée dans une prémonition de la paix à venir, ce qu'affirme avec force le commentaire, qui, le film s'ouvre ainsi. Je cite, « Lorsque le grondement des dernières armes se sera tu et que les avions traceront au ciel le mot « paix » dans toutes les langues, lorsque ne seront pas revenus tant et tant d'êtres chers et aimés, lorsque des millions de gens reviendront non pas dans leur demeure mais vers des cendres et ne reconnaîtront ni leur rue, ni leur village, ni leur ville, lorsqu'ils ne retrouveront plus ceux vers qui leur cœur tout entier se tendait, alors seulement l'humanité découvrira quel terrible chemin elle a parcouru. » Le film associe anticipation de la paix et importance du souvenir. Une fois la paix revenue, il ne faudra pas oublier les horreurs de la guerre, les victimes, etc. La construction temporelle propose donc de se projeter dans l'avenir pour y adopter un point de vue rétrospectif sur l'actualité. Anticipation et rétrospection sont associées dans un même mouvement. Enfin, la paix n'est pas uniquement associée au passé et à l'avenir. Elle s'installe dès la libération des territoires par l'armée rouge. L'arrivée des combattants est en réalité synonyme de paix. C'est ce que montre avec force le film à travers certaines images saisissantes, très rares, et symptomatique de cette construction en contraste. On sème pratiquement sur le champ de bataille. Les plans extraordinaires des semailles de 43 alternent avec le feu des armes, les cadavres abandonnés, certains déjà rendus à l'aspect de squelettes. Un plan général associe même carrément un semeur et un artilleur. Вот они ползают, свидетели смерти, могильщики Европы, фашистские жалкие псы, копошащиеся на блевотинах своих. Хай, хай, Гитлер, хай, позор Германии. Горная, суровая была зима. На трону стадет, забушевали все эти топоры. Красная армия подгнала врага на запад и в
Сабина снова на родную Украину. Ворошиловградская область. Отшумели радостные встречи. Поплакали люди над дорогими братами и по всесильному закону бытия, привязанные тысячелетиями к земле своей, вышли в поле сеятели и начали сеять. Из веселых правых ратов, ратов и получих клубов, без коней. Одними головками взялись под рокот орудий за родную землю, политую кровью, среди вражеских танков, кладбищ и ям. En cela, le film relève indiscutablement d'une écriture fortement personnelle, tout en s'inscrivant, comme je l'ai dit, dans ce discours officiel. On observe le même type de contraste entre guerre et paix dans les actualités filmées, mais cette fois entre le front et l'arrière. Le journal oppose ainsi l'évocation d'enfants victimes de l'occupation et de la guerre à des images idylliques d'orphelins ou de réfugiés reprenant une vie normale au sein d'un kolkhoz, par exemple, adopté par un grand-père d'une ethnie d'Asie centrale. La paix est ici montrée par des images de familles traditionnelles, enfin pas tout à fait traditionnelles, puisqu'elles incarnent sa variante soviétique. Il s'agit d'illustrer l'idée de la famille des peuples de l'Union soviétique qui se doivent solidarité pour faire face à la barbarie nazie. À partir de 1943, ces sujets consacrés à la vie normale prêtent d'une importance croissante dans le journal. Écoliers, paysans dans les champs, compétitions sportives, progrès de la science, manifestations culturelles, etc. développent la vision d'un pays qui, s'il est encore tout entier tendu vers la victoire, sait affirmer les valeurs du temps de la paix. Il convient à présent d'analyser de plus près quelques-uns de ces motifs. Alors la nature est sans surprise un des motifs les plus fréquemment associés à la paix, qu'elle soit évoquée de manière nostalgique ou imaginée. Et le cinéma soviétique multiplie les plans de champs de blé ondulant au vent, prêts pour la moisson, ou d'arbres fruitiers en fleurs, de pommiers notamment chez Dovzhenko, arbre qui lui est synonyme de la plénitude et de l'abondance ukrainienne. Comme je l'ai dit plus haut, l'enfant, l'école et la famille sont également des images fréquemment employées pour illustrer les valeurs de la paix du pouvoir soviétique. Néanmoins, ces valeurs familiales ne signifient pas une prévalence des liens du sang. Dans l'arc-en-ciel de Donskoï, deux sœurs s'opposent. L'une est amante de l'officier nazi, l'autre est l'institutrice du village dont le mari, membre du parti, est commandant d'un groupe de partisans. Les deux sœurs ne peuvent plus se comprendre et se prennent à se détester. Les distinctions de classe qui prévalaient dans les structures narratives des années 20 et 30 ont disparu au profit, on le voit, de choix individuels. La psychologie l'emporte sur le déterminisme social. Donc à gauche, la collaboratrice, à droite, l'institutrice, femme du partisan. Celle de gauche est venue aider, en échange évidemment d'informations, soi-disant aider sa sœur, et lui rappelle leur lien du sang. Donc voilà ce que je t'ai amené. Des biscuits français, etc. Donc, le dialogue s'achève sur ces mots. Est-il possible que nous soyons filles d'une même mère ? À cet exemple de rupture familiale, Donskoï oppose dans son film la solidarité du village. Lorsqu'une autre partisane enceinte est torturée par les Allemands, c'est sa voisine qui envoie son propre fils braver les gardiens et la secourir en lui apportant du pain. L'enfant est abattu par les occupants. Cette solidarité des villageois est montrée en les constituant de manière assez traditionnelle en une famille unie. Face à la Gestapo, une paysanne refuse de nommer l'enfant et affirme ne pas faire de distinction. Elle dit « Tous ces enfants sont les nôtres ». Les plans de la femme qui accouche alternent ensuite avec des images de la nature paisible, puis est au montage associée à son mari sur le front, qui montre sa photo à ses camarades de combat. Ils parlent tous des langues différentes et illustrent là encore l'idée de la famille, cette fois la grande famille des peuples de l'Union soviétique.
Le retour à la paix constitue pour tous l'avenir immédiat que doit apporter la libération du village et l'attente impatiente de cette paix est leur seul horizon. Je cite le propos d'un des villageois. Ils massacrent les hommes, mais ils ne parviendront pas tous à les massacrer tous. Il s'en trouvera d'autres pour semer et pour reconstruire, et nous vivrons mieux encore, nous serons encore plus riches qu'avant. Dans Il était une fois une petite fille, de Victor et Simon, 1944, la guerre est montrée comme un crime contre l'enfance. Le film est nourri d'images de la paix d'avant-guerre, montrant des familles unies et heureuses, tandis que les deux petites filles se retrouvent finalement seules dans Leningrad assiégé. Les pères sont sur le front, la mère de l'une meurt de faim, l'autre chante pour les soldats. Néanmoins, dès que les combats cessent, elles retrouvent leur immeuble et reprennent leur jeu. C'est alors qu'une bombe les fauche. Curieusement, l'homme industrieux n'est pas si fréquemment choisi comme héros. Et l'image du bâtisseur-architecte, très présent dans le répertoire des années 30, est rare dans les productions de la guerre. En revanche, le héros fréquent devient le scientifique dont les travaux ont été brutalement interrompus par la guerre. On assiste au retour de l'image du savant traditionnel, chenu et à lunettes, image associée dans les décennies précédentes à la science pré-révolutionnaire qui devait être bousculée par la jeunesse soviétique politisée, ou qui était vue comme potentiellement séditieuse, voire susceptible de sabotage. Le savant est parfois un médecin qui, comme dans Les Insoumis, est arrêté par les Allemands pour être fusillé à Babillard. Quoi qu'il en soit, il est avant tout porteur des valeurs morales traditionnelles. C'est un modèle d'éthique pour tous ses concitoyens. Par la même occasion, on restaure une continuité dans la science soviétique et il n'y a plus de rupture avec les temps anciens. La culture, particulièrement la musique et la peinture, sont très fréquemment associées aux valeurs de la paix dont sont porteurs les soviétiques. Dans un sujet du journal d'actualité consacré à la défense de l'usine de ciment de Novorossiysk, les soldats profitent d'une brève accalmie dans les combats pour organiser dans les décombres de l'usine une exposition de leurs propres dessins. Ailleurs, lors de la libération d'une ville, un groupe d'officiers interrompt son avancée, le temps d'écouter un des leurs jouer une pièce de musique au piano dans un appartement dévasté par les combats. On ne compte plus les héros musiciens ou compositeurs. Le jeune compositeur du film Le chemin vers les étoiles voit la première de sa symphonie brutalement annulée par l'entrée en guerre. La ville est bombardée par l'aviation allemande. Lui-même abandonne bientôt la musique le temps du conflit, devient pilote d'un bombardier, mais dans les airs, il imagine déjà la symphonie qu'il composera dès que la paix sera revenue. La littérature, la poésie particulièrement, occupe une place de choix, aussi bien dans les actualités et documentaires que dans les films de fiction. Les déprédations dans la propriété des Gontcharov où Pouchkine avait séjourné sont largement montrées. La mise à sac de la propriété de Tolstoï, Yasna Polyana, est l'objet d'une médiatisation de plus grande ampleur. La profanation des tombes et les sépultures données à des soldats de la Wehrmacht, à côté de celles de cette figure tutélaire, icône morale de la culture russe, sont présentées comme une injure portée au peuple soviétique tout entier. Mais cette mobilisation de la figure de Tolstoï et de son œuvre ne manque pas de sel, si l'on songe à l'attitude plus qu'ambivalente des autorités soviétiques envers l'écrivain, dont une partie seulement de l'héritage était jusque-là revendiquée, tandis que l'autre avait été totalement évacuée. Vladimir Tchertkov, l'élève de Tolstoï en charge de la publication de ses œuvres, s'était heurté à des difficultés croissantes à partir du début des années 30, tandis que les répressions s'étaient accentuées contre les Tolstoïens, considérés comme une secte subversive, justement parce qu'ils professaient le pacifisme. Tchertkov s'était d'ailleurs adressé à Staline dès 1930 pour tenter d'adoucir le sort de certains d'entre eux qui étaient prisonniers du camp de Solovki dans le Grand Nord. La situation change complètement à partir de l'invasion allemande. La similitude entre la campagne de Russie et l'invasion de l'URSS par la Wehrmacht remet au goût du jour guerre et paix.
au point que Staline fait distribuer le roman de Tolstoï aux habitants de Leningrad assiégés pour les encourager à la résistance. Je rappellerai que c'est en 1943 que Prokofiev compose son opéra sur un livret tiré du roman. Au cinéma, on s'empresse de réaliser un Kutuzov, en 1943 toujours, qui, en fait, de film historique, emprunte de nombreuses scènes et détails au roman de Tolstoï, jusque dans les images de la bataille de Borodino. Les Russes y figurent en héros de la paix, et les Français en va-t-en-guerre, tout à la fois brutaux et inconsidérément imprudents. L'amour, la femme, ou besoin la fertilité, compte aussi parmi les motifs traditionnellement associés à la paix et affectés d'une transcendance. La guerre est montrée comme dirigée contre l'amour et jamais vue comme expérience nécessaire pour devenir homme ou femme adulte susceptible de connaître le vrai amour, ou comme une mise à l'épreuve bénéfique du lien amoureux. En cela, les films réalisés durant la guerre contre la Finlande, comme Mashenka de 1939, diffèrent de ceux produits à partir de 1941. La guerre est même, dans certains cas, entièrement évacuée, comme dans le film « À 6 heures du soir après la guerre », étrange film musical dont les combats sont totalement absents. Même sur le front, les artilleurs soviétiques ne semblent aucunement préoccupés de combattre. Ils viennent rendre visite aux femmes envoyées creuser des lignes fortifiées. Danse, séduction, chant populaire, tout le film baigne dans un folklore de pacotille et une ambiance parfaitement irréelle, les péripéties étant rythmées par les rencontres fortuites du héros et de l'héroïne qui se feront le serment de se retrouver au pied du Kremlin à 6 heures du soir, après la guerre. Et qu'à limite, cette tension totale vers la paix parvient à évacuer donc complètement la guerre. Plus classiquement, Attends-moi, adaptation du roman de Konstantin Simonov, ou Les deux combattants, de Léonid Loukov en 1943 aussi, mettent au premier plan l'amour qui doit permettre aux soldats de survivre à la guerre pour s'unir dans la paix. Je reviendrai enfin sur les conséquences de l'adoption de ce discours sur le traitement du temps dans les œuvres produites durant la Seconde Guerre mondiale. J'en ai déjà évoqué certains aspects. Tout d'abord, le conflit est replacé dans l'histoire au long cours de la Russie. Et au passage, s'opère un recentrage sur la Russie qui devient le cœur de l'histoire du pays. Ce qui entraîne évidemment une nouvelle lecture du passé. Le conflit présent rejoue d'autres guerres, contre Napoléon bien sûr, mais également antérieures, celle qui opposa la Russie d'Alexandre Nevsky au chevalier Teuton, celle de Pierre le Grand aux Suédois, sans parler bien sûr de la Première Guerre mondiale. Certains combattants de l'armée rouge avaient déjà combattu lors de la Première Guerre et l'adversaire était le même, si bien que ce conflit précédemment gommé de l'histoire soviétique revint au premier plan, au point que les actualités filmées consacrèrent plusieurs sujets à des soldats ou gradés déjà médaillés lors du premier conflit et dont l'expérience était valorisée. Une sorte de continuité est désormais établie entre la Première Guerre et la Seconde, en dépit de la rupture politique. Le régime tsariste, comme le régime soviétique, font face aux mêmes atrocités commises par un même ennemi. Plus curieux, l'épisode de la guerre civile fait l'objet d'une singulière réinterprétation dans les films produits entre 1942 et 1945. Il ne s'agit plus d'une scission interne de la société. Seul l'épisode de l'intervention étrangère est retenu. Et la guerre civile est désormais présentée comme une agression allemande. C'est particulièrement frappant dans l'adaptation du roman rédigé entre 30 et 34 « Et l'acier fut trempé » par Marc Donskoï en 1942. Les jeunes bourgeois ou les cosaques qui dans le roman étaient des blancs, partisans de l'ancien régime, deviennent dans le film des collaborateurs des forces d'occupation allemandes. Or, l'action se passe toujours en 1918. Le retour de la paix ne peut être assuré que par les armes. Le héros et sa bien-aimée se promettent de s'unir lorsque le conflit sera achevé. Mais en attendant, comme l'affirme avec force le héros, il faut se battre pour la vie, au besoin en mourant pour elle. Et la dernière réplique du film est d'ailleurs assez banalement « J'irai tuer pour qu'aucun homme n'ait jamais plus à en tuer un autre ». C'est tout à fait le type de raisonnement que le folklore soviétique ridiculisa plus tard, dans les années 60 et 70, sous forme de blagues par exemple. Un auteur pose cette question à la radio Erevan. Y aura-t-il encore un conflit mondial ? Réponse. Il n'y aura plus jamais de guerre. Mais la lutte pour la paix sera telle qu'il ne restera plus une pierre debout. En affirmant la continuité du temps long de l'histoire de la Russie, la guerre présente n'était plus qu'un épisode. Le passé de la paix avant-guerre et le futur de la paix à venir sont liés et l'important est la pérennité du peuple.
On remarquera qu'avec ce type de raisonnement, on ne s'achemine plus vers la fin de l'histoire avec la mort de l'État, l'établissement d'une société sans classe et un paradis statique. Mais à l'inverse, on rétablit la grandeur et la gloire des armes russes, on donne le passé en exemple, un passé dans lequel les Russes ont toujours été obligés de défendre un territoire menacé, car il ne s'agit jamais d'un passé de conquérant, mais du passé d'un peuple pacifique contraint de mener la guerre uniquement contre des envahisseurs. Partant, tout le discours politique extrêmement agressif et belliqueux des deux décennies précédentes, songeons à la lutte des classes et autres ligues des militants athées, sans dieu combatifs, etc., furent renvoyés aux oubliettes pour afficher la face uniquement pacifiste du régime. Certes, une partie de ce nouvel arsenal discursif et iconographique est un héritage de la rhétorique humaniste développée à l'usage de la propagande extérieure au milieu des années 30 pour la défense de la culture. Mais à un examen plus approfondi, cet héritage se révèle en réalité assez mince. Il préfigure en revanche le discours soviétique de la lutte pour la paix des années suivantes, des années 60 et 70, et qui illustre parfaitement le poème de Evgeny Evtushenko de 1961, « Les Russes veulent-ils la guerre ?», bientôt devenu une chanson célèbre et dont le disque, en français, espagnol, allemand et anglais, fut distribué aux membres du premier congrès international pour le désarmement de 62. Le voici. Chanté par Marc Bernès, l'interprète du film « Les deux combattants », 20 années plus tôt, durant la guerre. La musique est d'ailleurs, paradoxalement, vous allez voir, une marche militaire. Donc je vous cite juste, on écoutera juste le premier couplet. « Les Russes veulent-ils la guerre ? Demandez-le au silence qui recouvre les sillons et les champs. Demandez-le au boulot et aux peupliers. Demandez-le à ces soldats qui sont restés étendus là. Ce sont leurs fils qui répondront. Ils vous diront si oui ou non, les Russes veulent la guerre. » Merci.